qu'est-ce que le néolibéralisme? Eh bien, c'est un ensemble cohérent de mesures visant à accroître les revenus et le pouvoir économique des classes très aisées, les 5% les plus riches. Ça consiste en quoi? Ça consiste à procéder en la dérégulation financière, à procéder en la mise en place de la libre circulation internationale des capitaux. Tout cela a été décidé par les gouvernements, cela n'est pas venu naturellement, ça n'est pas tombé du ciel, ce sont des décisions politiques qui ont conduit à ces événements-là. Ça a consisté à développer et à mettre en place le libre-échange qui permet la mise en concurrence directe de tous les travailleurs du monde les uns contre les autres. Ça a permis la flexibilisation, entre guillemets, flexibilisation pour les employeurs du marché du travail, qui consiste donc à faciliter les licenciements, à baisser les droits des chômeurs et à mettre en cause les accords de branche, etc., etc.